de Benjéville, et là nous allons nous rendre à Benjéville pour voir cette reprise des activités qui a été marquée par des dons. Un ex-international ivoirien qui a fait des dons à ses jeunes frères et il est aussi coach. Il a tenu à faire aussi une séance d'entraînement au Botanic Club de Benjéville. Ils sont jeunes, ils sont animés par une seule passion, la pratique du rugby. Peu importe le lieu et les conditions de cette pratique, pourvu qu'ils puissent s'exprimer. Eux, ce sont les jeunes joueurs du Botanic Club de Benjéville. Et une aide venant d'un autre passionné de rugby est la bienvenue, surtout pour marquer la reprise officielle des activités de ce club. Kaba Thibault, ex-international ivoirien, ne ménage aucun effort pour ses jeunes frères. Pour cette fois, ce sont encore des maillots pour les seniors et les juniors, des chasubles d'entraînement et des ballons qu'il offre au Botanic Club et à l'orphelinat de Benjéville. Aujourd'hui, j'avoue que ça a vraiment pris avec nos enfants parce qu'ils aiment beaucoup ce sport. Et donc, je suis très contente ce soir de représenter cette structure-là. Et je dis merci au Botanic Club Rugby de Benjéville, au coach Kaba. Et pour tout ce qu'ils font pour ces enfants aussi, nous leur disons merci. Le donateur, également formateur, entraîne aussi le Botanic Club de Benjéville. Je veux un plaquage correct. Pas de plaquage dangereux. Les plaquages corrects, d'accord? Au niveau de la ceinture, c'est ce que je veux voir. Mais surtout, les déploiements de passes. Je veux voir des mecs qui prennent des initiatives. Joueur et dirigeant apprécient son geste, mais beaucoup reste encore à faire. Depuis la création du club jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de soutien, à part le coach qui vient d'arriver maintenant, qui est en train de nous soutenir. Sinon, on n'a personne. Aujourd'hui, le Botanic Rugby Club de Benjéville fait la fierté de cette commune. Le club évolue au fur et à mesure. On a vu un peu les résultats de la saison 2012-2013. Il a eu un très bon résultat. Et aujourd'hui aussi, les jeunes sont dévoués à aller jusqu'au bout. Je lance un appel aux autorités de venir nous aider parce que là, vous voyez dans l'endroit dans lequel on s'entraîne, c'est pas bien. En tant que des joueurs de rugby de Côte d'Ivoire, je leur demande de venir nous aider financièrement. D'abord, au niveau de la Fédération du rugby, pour faire l'effort de donner un peu du matériel comme ils ont fait aujourd'hui, aide aussi financièrement le club pour permettre au rugby de se développer un peu, puis les médias qui doivent s'ajouter pour en parler un peu. Ça a vraiment nous fait plaisir, nous, joueurs de rugby en Côte d'Ivoire. Créé le 26 décembre 2011, le Botanic Club de Benjéville s'est bien illustré la saison dernière lors du championnat national de rugby. Et puis, il y a une très bonne nouvelle pour le basketball. Il y a eu donc ce week-end les quarts de finale du N2, mais ensemble avec la complicité Daniel Kobi Kualo et Anne-Marine Guessin, allons à la découverte. Heureux les amoureux et les acteurs du basketball qui rêvaient de voir les compétitions se dérouler dans une salle. Ce vendredi 1er novembre, ils renouent avec la compétition à la faveur des quarts de finale de la N2 dans les deux salles du Hall des Sports. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir jouer dans des infrastructures plus modernes. Parce que quand nous sortons pour aller jouer la compétition, nous avons affaire à ça. Donc si on ne joue pas ici maintenant, dans ces conditions-là, ça sera difficile. Voilà pourquoi ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir jouer en salle. En tout cas, nous promettons du bon basket au public ivoirien. C'est déjà bien de nous offrir le cadre idéal pour pouvoir nous permettre aux joueurs de s'exprimer. C'est une motivation supplémentaire pour eux aussi. Donc on espère que ça va apporter ses fruits et puis donner un meilleur basket ivoirien. Bien sûr, on a constaté le manque d'habitude, mais ça va venir très rapidement. Ce que je retiens, c'est qu'enfin, nous avons une salle et les joueurs, les pratiquants vont pouvoir produire du beau basket comme le demande le ministre. Et j'espère que compte tenu de ce beau spectacle, il permettra que tous les matchs du championnat ivoirien se déroulent dans cette salle. Yes! Sur le parquet 1, les jeunes de Olympique Basket Club Anvers, OBC, par leur jeu rapide, direct, fait de contre-attaque, ont battu GBBC 74-66. Dans la deuxième rencontre, le Magic Basketball Club en bleu a surpris Assaoufoué par son jeu à l'intérieur, malgré la bonne défense des Blancs, 59-43. Dans l'autre salle, l'ambiance est plus chaude avec les jeunes filles qui communient avec les supporters. Malgré la bonne défense de zone de l'équipe de Bang, le JSPM a pu trouver des passages pour remporter le match 41-26. Asek et Ensoa étaient très attendus par le public.
Après une première mi-temps équilibrée, ce sont les élèves de l'École nationale des sous-officiers d'actifs et ENSOA qui enlèvent le gain de la partie 26-16. Les demi-finales jouées le lendemain, samedi 2 novembre, ont vu les qualifications de Bosco et MBBC chez les hommes et celles de ASEC et JSPM chez les dames. Les finales se joueront les 8, 9 et 10 novembre prochains au meilleur des trois matchs. Alors, vous êtes d'accord avec moi, hein? C'est une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle de voir les athlètes évoluer dans une très belle salle. En tout cas, c'est encouragé. Il faut qu'il y ait plus de salles comme ça en Côte d'Ivoire pour que les athlètes puissent développer leurs talents. Ange Asougou, on va vous retrouver au basket maintenant. Oui, non, j'ai eu un petit pincement quand l'athlète a dit on a perdu l'habitude de jouer dans la salle, dans les salles, mais ça va revenir. Eh bien, ben, on espère que les salles seront toujours ouvertes pour la pratique du sport dans toutes les disciplines, pas seulement au basketball. Et je pense que tous les sportifs ivoiriens pourront bénéficier de ces salles. Et il n'y a que dans les salles où les gens peuvent arriver à un degré de performance pour affronter les compétitions internationales. Maître Anzoumana, secrétaire général de la Fédération ivoirienne de taekwondo, nous a rejoint avec lui. Nous allons parler des préparatifs concernant donc le championnat du monde de taekwondo ici en Côte d'Ivoire. Anne-Marie Nguessan, justement, il y a eu une visite du ministre des Sports. Le ministre des Sports était dans les locaux de la Fédération ivoirienne de taekwondo justement pour parler de ses préparatifs de la Coupe du monde de taekwondo que la Côte d'Ivoire va abriter du 28 au 30 novembre prochain. Suivons ensemble. Première étape de cette visite, le Dojang National où la salle d'entraînement s'ise au stade Félix Houphouët-Boigny. Une salle équipée à matériel moderne et qui retrace l'histoire du taekwondo ivoirien depuis 1968. Le ministre Alain Le Bognon et sa délégation, guidée par le président Bamba Cheikh Daniel, ont trouvé les éléphants taekwondoïnes en pleine préparation. Ces derniers sous la houlette de l'encadrement technique, dirigé par Tadjou Atada, assisté de Bayou Charles, ont fait quelques démonstrations. Deuxième et dernière étape, le siège administratif de la Fédération ivoirienne de taekwondo à Angri, dans la commune de Cocody. Là également, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs a visité tous les bureaux. Une présentation du fonctionnement de la Fédération ivoirienne de taekwondo a été faite par le secrétaire général, maître Anzoumana Siaka. Le président Bamba Cheikh Daniel s'est pour sa part attardé sur le bilan partiel des préparatifs de la Coupe du Monde qui sera organisée par la Côte d'Ivoire. Tant au niveau de l'achat des équipements qui figurent dans le cahier des charges, les tapis de compétition, le matériel pour l'arbitrage électronique, tout a été payé, tout est en cours de livraison. Et au taekwondo, tout se passe dans la même salle pendant 2 jours. Nous avons l'avantage de bénéficier de tout ce que l'État a mis en place pour l'afro-basket. Donc la salle est actuellement l'une des meilleures salles d'Afrique. Donc à ce niveau, nous en sommes maintenant à la communication, surtout à la communication, pour que la Côte d'Ivoire entière s'approprie cet événement comme l'un des grands événements sportifs de l'année. Avant de mettre fin à cette visite, le ministre Le Bognon a tenu à exprimer sa satisfaction. Cette fédération mérite les encouragements et nous devons pouvoir l'accompagner de sorte à permettre une éclosion d'athlètes d'élite, d'athlètes de haut niveau, mais surtout permettre au pays de rayonner sur la scène internationale. C'est pourquoi nous encourageons la Fédération ivoirienne de taekwondo et nous lui disons que le gouvernement sera à ses côtés comme premier sponsor pour l'organisation de cette Coupe du monde de taekwondo. Notons que c'est du 28 au 30 novembre prochain que la Côte d'Ivoire va abriter la Coupe du monde de taekwondo, une première en Afrique. Alors, maître Anzoumana, quand on parle de préparatifs, nous sommes à quelle étape exactement? Alors, nous sommes exactement à la phase d'exécution du cahier des charges. Il y a eu l'étape de la mise en œuvre du comité d'organisation, qui est présidé par le président Bamba Cheikh Daniel, et avec comme superviseur général le ministre Alain Le Bognon. Et puis il y a eu la seconde étape qui a consisté donc
à prendre connaissance du cahier des charges qui nous a été transmis par la Fédération mondiale de taekwondo et voir à l'intérieur de ce cahier des charges les exigences de la WTF et puis orienter dans ces exigences-là vers les commissions de travail qui ont été créées. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que les choses se passent bien. Chaque commission a pris connaissance donc du cahier des charges. Le travail sur le terrain a véritablement commencé, parce que c'est là la question. Sur le terrain, les choses ont véritablement commencé. La commission logistique qui est en charge donc tout ce qui est matériel est à pied d'œuvre. L'aire de compétition telle qu'exigée par la Fédération mondiale est en train d'être montée. La semaine prochaine, nous aurons la première simulation sur le palais des sports. La commission de sécurité a bouclé tout ce qu'elle avait à faire. Les hommes sont mobilisés. Nous sommes au stade de rassembler tout le matériel de sécurité. L'hébergement a fait son travail. Tous les hôtels ont été conventionnés, transmis donc à la Fédération mondiale et aux délégations qui prendront part à cette Coupe du Monde. Sébastien, pour vous dire que nous sommes à plein dans l'organisation donc de la Coupe du Monde Taekwondo. Maître, justement, qui dit Coupe du Monde dit affluence de journalistes. Comment va se faire les accréditations pour les journalistes qui viendront du monde entier et ceux de la Côte d'Ivoire? Alors, depuis hier, donc, le formulaire d'accréditation au niveau de la presse a été envoyé à tous les organes de presse, en tout cas, ceux dont nous avons les contacts. Et nous attendons. Je pense que demain, nous avons une réunion. C'est vrai qu'au niveau des accréditations, nous pouvons être débordés. C'est possible. Mais demain, nous avons une réunion avec les présidents de commission au cours de laquelle nous allons prendre certaines dispositions pour arrêter des quotas. Et puis, dans 48 heures, nous allons encore donner quelques informations à tous les organes de presse qui ont donc reçu ce formulaire d'accréditation. En général, quels sont les pays qui vont participer à cette compétition? Quels sont les pays attendus? Alors, il s'agit des 15 meilleurs du monde actuel, plus la Côte d'Ivoire, ça fait 16. Mais quand on regarde la configuration, donc, ou du moins le type de compétition qui aura lieu, finalement, nous allons nous retrouver. Initialement, on allait se retrouver à 16 équipes, plus la Côte d'Ivoire. Et maintenant, nous tendons vers la vingtaine de pays. Chaque pays viendra avec deux équipes, une équipe féminine, une équipe masculine. Donc au décompte, nous allons nous retrouver avec 16 équipes masculines, 16 équipes féminines, avec au moins une vingtaine de pays. Quelles sont les têtes d'affiche? Naturellement, c'est la Corée qui a confirmé. La Corée a non seulement confirmé, mais la Corée a réservé son hôtel fermement. La France a confirmé, les USA ont confirmé. Ce soir, au moment où je quittais le siège, le Mexique vient de confirmer. Il y a le Gabon qui a confirmé. Le Gabon a également confirmé au niveau, fait une réservation ferme. Dans tous les cas, tous les pays vont confirmer. On sait que c'est la Côte d'Ivoire. Ben, en tout cas, au soir, à l'heure actuelle, je peux vous confirmer qu'il y a 13 pays qui ont déjà confirmé. Sur les 20. Alors, au niveau de notre équipe nationale, tout se passe bien? Oui, le moral est au beau fixe. Dès que nous sommes revenus de la Coupe du championnat du monde du Mexique, la direction technique nationale a soumis donc un cahier des charges relatif à la préparation de nos équipes, puisqu'il s'agit d'une équipe féminine et d'une équipe masculine. Et ce cahier des charges a été validé par le bureau fédéral. Et donc, depuis le 4 août, ils sont rentrés en regroupement pour passer donc à la phase de préparation physique. Donc c'est une série de programmes. D'abord la préparation physique, ensuite le technico-tactique, et puis faire les réglages jusqu'à l'approche de la compétition. Au stade d'aujourd'hui, nous sommes au stade des réglages. C'est pour ça que nous sommes en train de faire les match tests. Vous l'avez constaté tout à l'heure dans l'élément filmé, bien commenté par Anne-Marie Nguessan. Il y a eu le test match samedi dernier. Le samedi prochain, il y aura un autre test match pour que nous puissions apprécier sur le terrain, est-ce que le travail physique qui a été fait, est-ce que le technico-tactique qui est en train d'être mis en œuvre, est-ce que les consignes sont bien respectées.
Donc c'est tout cet ensemble de choses-là que nous allons pouvoir apprécier à travers donc, les match tests. Pour vous dire que le moral est au beau fixe, les entraîneurs sont au travail. Le bureau fédéral aussi fait son travail. On revient à lui tout à l'heure. Okay. Le temps d'avancer un tout petit peu. Mais on reste toujours dans le domaine des arts martiaux. Anne-Marie, vous avez suivi un passage de grade et au stade Félix Faute-Boigny, quelque chose s'est passé. Ce passage de grade a été marqué par la présence d'un ministre, pas en tant que spectateur, mais en tant que candidat. Il s'agit du ministre de la Culture et de la Francophonie, Bandama Maurice, qui était candidat à la ceinture noire premier dan. Quel a été son résultat? Élément de réponse dans l'élément que nous vous proposons maintenant. Échauffement avant le grand moment, dans un bon état d'esprit. Je suis zen, je suis relax. Cela fait quand même bientôt 10 ans quand même que j'ai commencé le Shotokan. Donc depuis 2 ans, j'ai repris mes entraînements. Et aujourd'hui, je passe le grade de ceinture noire. Les épreuves de cet examen de grade peuvent commencer avec les candidats à la ceinture noire premier dan. Parmi eux, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Bandama Maurice. Pas de favoritisme. Tous les candidats sont logés à la même enseigne. Mouvement de base. Attaque et défense. Après le passage de tous les candidats, la distinction de 2 mètres, Koulibaly Mustapha et Yao Kofi Julien, élevés au grade de ceinture noire 7e dan. Et enfin, la proclamation des résultats. Sur les 22 candidats à la ceinture noire premier dan, seulement 2 ont été recalés. Admis au grade de ceinture noire premier dan, Karaté Shotokan, Bandama Kwaku Maurice. J'invite les collègues ministres, j'en ai déjà invité. Certains sont ceinture noire, hein. Ça forme le mental, ça forme le caractère et ça forme surtout à l'humilité et à la patience. Chez les 2e, 3e, 4e, 5e et 6e dan, tous les candidats ont été admis. À la grande satisfaction de la Fédération ivoirienne de karaté-do et disciplines associées. Nous avons été particulièrement édifiés par la qualité technique du travail du ministre parce qu'en tant que ministre, il est très occupé et il est aussi d'un certain âge. Donc nous voulons vraiment le féliciter pour son niveau de pratique. Un sentiment de joie qui m'anime parce que quand vous avez une structure qui organise des compétitions où il y a des personnalités du pays qui viennent vous aider, qui viennent contribuer, qui viennent participer. C'est-à-dire que cette structure-là est sérieuse. Présent à ce passage de grade, le ministre des Sports a exprimé la volonté du gouvernement à aider toutes les fédérations sportives. Les judokas et les karatékas nous présentent leur réalité. Elles sont tristes. Il appartient donc à l'État de faire face à tous ces problèmes. La Côte d'Ivoire a vu rayonner au niveau de toutes les disciplines sportives. Il faut donc donner les moyens du rayonnement à ces disciplines sportives. Les grands maîtres Sanogo Souleymane et Panan Koulibaly ont supervisé ce dernier examen de grade de la saison 2013 du 1er au 6e dan, organisé par la Fédération ivoirienne de karaté-do et disciplines associées. Anne-Marie, on va rester avec vous pour parler du karaté Kwalo Klai. Kwalo Klai, ça n'a rien à voir avec Kwebi Kwalo, même si les deux ont un dénominateur commun. Nous allons dire que cette discipline a fêté une année d'existence et ça s'est passé à Yopougon. C'est par un défilé des différents clubs venus d'Abidjan, notamment de Yopougon, Cocody et Trècheville, et de l'intérieur du pays, d'Aloua, Gagnoua et Saint-Fra, qu'a débuté cette fête du Kwalo Klai, art martial typiquement ivoirien. Le Klai, qui veut dire ton école en pays ouais. Le Walo qui veut dire paix et amour, donc en pays Dida Guéré, en pays Dida et Bété, pardon. Et donc le K qui est l'initiale des fondateurs. Donc on pouvait dire le Walo Klai, mais grâce n'est-ce pas à l'initiale des fondateurs, ça devient Kwalo Klai, donc école de paix et d'amour créée par les K. Place ensuite aux démonstrations. Ballet d'ensemble pour mettre en exergue les techniques de coups de pied. Prestation remarquable de la Fédération ivoirienne de Vied Vodao,
venu apporter son soutien au Kwalo Klai. Kata, attaque et défense et combat de rue. Le Kwalo Klai étant aussi l'art du maniement des armes, des balais de Mutiaku, bâtons, couteaux et des sabres ont été présentés par le président fondateur et le président de la Fédération ivoirienne de Kwalo Klai. Martial, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce qu'on peut l'apprécier ? Voilà. Voilà, Mutiaku. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'un an après sa création, le Kwalo Klai a des pratiquants de taille. J'ai pratiqué le Kwalo Klai, ma maîtrise, pour défendre ma famille et pour apprendre aussi à mon camarade que le Kwalo Klai n'est pas le banditisme, c'est pour apprendre et se défendre dans les rues. Chaque camarade venait pratiquer le Kwalo Klai avec moi. Pour le président de la fédération, le bilan est largement positif. On est satisfait d'autant plus que l'année passée, nous n'étions pas ce nombre-là. Le Kwalo Klai a évolué, il y a eu beaucoup d'écoles. Et vous avez entendu tout à l'heure pour dire que le prochain anniversaire sera au Champrou. Parce que ici, ça ne peut pas nous contenir. Mettre en place 200, 300 personnes pour faire des mouvements, ce n'est pas dans une salle. Nous voulons prendre le stade de Champrou l'année prochaine pour faire nos deuxième anniversaire. Des t-shirts et un diplôme de participation ont été remis à la Fédération ivoirienne de Vied-Vodao, représentée par son président et son directeur technique national, avant de mettre un terme à la célébration de l'an 1 de la création du Kwalo Klai. Toujours dans le domaine des arts martiaux, il y a eu également du Viet Vodao. Une conférence a été animée par une dame, une grande dame qui pratique aussi les arts martiaux et nous pouvons voir les images. Il s'agit de Madame Josette Abondio qui a animé une conférence sur le thème « Femmes et enfants dans la pratique des arts martiaux ». Elle a été invitée bien sûr par la Fédération ivoirienne de Viet Vodao. Voilà, on voit cette dame qui vient d'arriver à cette conférence. De cette brillante conférence, Madame Abondio, à laquelle on a noté la présence active du président de la conférence des présidents des fédérations sportives de Côte d'Ivoire, M. Soumaoro, qui a apporté aussi son soutien à cette fédération de Viet Vodao. Et cette dame a dit lors de cette conférence de presse que les arts martiaux apportent beaucoup à la femme. Elle lui apporte plus d'assurance et l'aide à prendre conscience de ses qualités. Et lui permettent d'être beaucoup plus présente mentalement et moralement dans sa communauté en compensant fortement ses limites physiques qu'elle a par ailleurs l'occasion de développer à la hauteur des capacités des hommes. Voilà, c'était cette conférence de presse animée par Madame Josette Abondio. Elle est ceinture noire à Shotokan et a été dans les années 90 l'unique femme présidente de la Fédération de Karaté en Côte d'Ivoire, alors appelée FIKAMA. Maître Anzoumana, est-ce qu'il y a un appel particulier ou des conseils concernant donc ce championnat du monde? Alors, avant d'arriver donc à l'appel, je voudrais juste revenir donc sur le passage des grades internationaux qui aura lieu en marge de cette Coupe du Monde. Sachez que le 5 décembre, ici à Abidjan, il y aura un passage des grades internationaux supervisé donc par le grand maître Kim Yung-Tae, le fondateur du pionnier du taekwondo ivoirien qui revient en Côte d'Ivoire à l'occasion de cette Coupe du Monde et profitera pour organiser ce passage des grades internationaux. À l'endroit donc des taekwondoïens, je voudrais leur dire que le délai de dépôt des dossiers était prévu pour demain, mardi 5 novembre, compte tenu du fait que des maîtres de salle à l'intérieur du pays ne peuvent pas faire le déplacement pour déposer le dossier demain 5 novembre. Nous avons donc de façon spéciale repoussé donc la date de dépôt des dossiers au samedi prochain pour permettre à ceux qui viendront au stade de passage des grades de déposer le dossier en même temps que ceux d'Abidjan. Dire que effectivement du 28 au 30 novembre, il aura la première Coupe du Monde en Afrique qui va être organisé ici à Abidjan au Palais des Sports de Trècheville. Et les tickets seront en vente, mais nous aurons le temps donc de maîtriser les paramètres et puis de préciser les lieux de vente, les coûts, etc. dans les jours à venir. Donc on demande à tous ceux qui sont intéressés
pour soutenir donc la Fédération Ivoirienne Taekwondo. C'est tous ceux qui veulent coller leur image à ce grand événement de venir, de se rapprocher de nous. La, nos portes leur sont ouvertes et nous demandons le soutien de tous, notamment vous les journalistes qui nécessitez de nous soutenir. Voilà. On compte sur vous pour en faire une grande mobilisation. Merci beaucoup à vous, Maître Azoumana, pour ces précisions concernant le championnat du monde de taekwondo. La Coupe du monde de taekwondo. La Coupe du monde de taekwondo ici en Côte d'Ivoire, à Yassoukro, le sport paralympique. Oui, fin de la saison 2012-2013 de tennis de table et d'haltérophilie. C'était le week-end dernier à la Sodomie. C'était organisé, bien sûr, par la Fédération ivoirienne des sports paralympiques. Aude Alibé. 11 candidats pour la première épreuve, l'haltérophilie. Catégorie A, 48-60 kg. Après deux essais réussis sur trois, Alidou Diamoutene occupe la première place en hissant une charge de 155 kg. Il est suivi de Kake Grodon et Gay Patrice qui soulèvent respectivement une charge de 120 kg et 100 kg. Catégorie B, 60-100 kg. Avec un essai réussi à 160 kg, Blaise Coco est tête de liste. Ano Hervé, deuxième pour 145 kg. Et Kouyaté Bakari, troisième avec 125 kg. La seule dame dans la compétition, Augustine Nogo, s'en sort avec une charge de 75 kg. Au moment où je n'étais pas encore rentrée dans ses crocs, je me sens que vraiment je ne suis pas comme les autres. Mais depuis que j'ai pratiqué ce sport, vraiment, quand je me lève, je dis gloire à Jésus. Il y a les frères, il y a les sœurs, tu m'aimes encore toujours. Je suis comme les autres. Vraiment, ce sport donne beaucoup de choses. Nous compétissons dans des conditions très difficiles, à part notre coach qui nous soutient, qui essaie de donner plus de soutien à notre club. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile pour nos athlètes, tout ça. Du tennis de table à présent avec trois finales, debout, assis et amateur. Ndri Kwaku et Pacom Kessé en t-shirt marron, tous deux de l'AUC engagent les hostilités côté amateur. 10 minutes de face-à-face ont suffi à Pacom pour remporter la partie 3-7 à 0. On dit assis. Bonnebo Maxime de l'AUC ne donne aucune chance à son adversaire Amon Nyamba en t-shirt noir. 3-7 à 0, score final. Le meilleur est resté pour la fin. Le choc Kwame coach Charles Fato en dit debout. Ses athlètes de haut niveau ont donné du rythme à leur face-à-face qui est remporté par Kwame coach 3-7 à 1. C'est dans une ambiance conviviale que les finales nationales d'haltérophilie et de tennis de table ont mis fin aux championnats nationaux de la saison 2012-2013. Le lieutenant Agnero Latte-Martial, responsable de communication et relations extérieures du 2e bataillon d'infanterie de Daloa, nous a rejoint avec lui. Nous allons parler de tout ce qui s'est passé à Daloa. Il s'agit donc de la Sainte-Maurice, à Yassoukro, une fête militaro-sportive. Bien sûr, c'est ce que nous rapporte l'envoyé spécial de la RTI à Daloa, c'est-à-dire Salif Ouattara. C'est une compétition au cours de laquelle il y a eu beaucoup d'épreuves sportives qui se sont déroulées samedi et dimanche. Et comme vous le dites si bien, Sébastien Wognien, c'est une contribution qui a mis à contribution aussi bien des militaires que des civils à Daloa. Renforcer les liens armées-nation à travers le sport, c'est le leitmotiv qui a animé les organisateurs de la fête patronale de la Sainte-Maurice. Du football en passant par le volleyball, le maracana, la boxe, l'athlétisme, les militaires ont démontré leur savoir-faire sportif devant un public de la cité des Antilopes surpris et enthousiasmé par le talent des hommes habituellement munis d'armes. Le sport militaire va beaucoup évoluer dans les prochaines années, surtout cette année, l'année prochaine et l'année qui va suivre, parce que avec, à la faveur des recrutements de nombreux jeunes, nous avons un grand vivier au sein duquel nous allons tirer. Ce matin, vous avez pu voir qu'il s'est débrouillé pas mal. Avec un peu d'entraînement et d'encadrement, on va relever tous les défis à toutes les disciplines. Clôturée par une cérémonie de remise des trophées, la fête patronale de la Sainte-Maurice mettait aux prises des unités d'infanterie venues d'Abidjan, de Boaké, de Zambakro, de Toroguyé et de Daloa.
Au 2e bataillon militaire de Daloa, les hommes en treillis et ceux en civil se confondaient d'un espace de jeu à un autre en applaudissant pour un même spectacle. Je pense que l'armée FRC, notamment à Daloa, est en train d'entrer en communion parfaite avec la population de Daloa. Il faut s'en réjouir. Les gens n'ont plus peur de l'armée. Ils savent que ce sont des soldats qui sont au service de la nation, chargés de protéger le territoire national, et ils le font bien. La population est contente. Les gens sont sécurisés, c'est ça qui est le plus important pour moi. L'une des missions qui nous est assignée, c'est de créer ce lien armée-nation. Et ce lien ne peut être renforcé qu'à travers l'organisation de manifestations, qu'à travers l'organisation d'activités qui puissent nous permettre de nous rapprocher les uns des autres. Alors, au cours donc de cette semaine sportive, de cette dizaine de jours, à quinzaine sportive, nous avons eu à organiser une kermesse où on a vu la participation de la population de Daloa. On a eu à organiser des conférences où les lycées et collèges sont venus massivement répondre à notre appel. La Sainte-Maurice est un hommage que les commandants du monde entier rendent au légionnaire Maurice et ses 6600 soldats exécutés en l'an 302 par l'empereur romain Jules César pour avoir refusé de tuer d'innocentes personnes au seul motif qu'il croyait en Dieu. Lieutenant, est-ce que vous êtes satisfait de tout ce qui s'est passé à Daloa? Oui, effectivement, je peux dire que je suis satisfait. Je suis effectivement satisfait parce que la fête s'est bien déroulée comme on le voulait. Voilà, tout s'est bien passé, le programme a été respecté et la population est venue nombreuse assister à cette fête. L'objectif voilà. A été atteint? Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous? Bien, c'est l'engouement de la population, surtout dans l'activité de boxe, par exemple. Elle a commencé un peu tardivement, aux environs de 22 heures, mais malgré ça, la population était assise, attendant les boxeurs. Donc, malgré la pluie, il y a eu une fine pluie qui est arrivée, mais la population est restée sur place jusqu'à 6 à la fin. C'est une façon de dire qu'aujourd'hui, avec la population, l'union scellée va rester longtemps. Voilà, on fera de telle sorte que ça reste longtemps, que ça dure longtemps. Ça dépendra de vous. Vous avez senti que la population était concernée par la fête? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, effectivement. Parce qu'au départ, ils étaient un peu hésitants, comme on peut le dire, vous savez, avec tout ce qui s'est passé. Ils étaient un peu hésitants. Mais avec le temps, ils ont commencé à venir et se sont rendus compte que vraiment, c'était une fête à laquelle ils étaient conviés, ils avaient leur place dans cette fête-là. Voilà. Et quelle est la périodicité de cette fête? Bien, cette fête-là se passe chaque septembre, mais nous choisissons la date en fonction de, enfin, en fonction de nos possibilités. Et bon, dans les forces armées, il y a tellement d'événements que c'est en fonction des événements que nous choisissons la date. Quand on parle de Saint-Maurice, c'est pour montrer quoi exactement aux populations ivoiriennes? Bien, la Saint-Maurice, comme il a dit tout à l'heure, c'est pour montrer à la population que nous sommes là pour elle. Comme le légionnaire Saint-Maurice a refusé d'exécuter un ordre qu'on lui a donné, que Jules César lui a donné, d'exécuter des innocents à cause de leurs croyances religieuses. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on ne peut pas exécuter une population parce qu'elle croit en Dieu, parce qu'elle va à la mosquée ou parce qu'elle va à l'église. Non. Donc c'est ce qu'on veut montrer à la population, que nous sommes là pour elle, en fait, en quelque sorte. Alors, il y a eu quand même un moment important. Il s'agit donc de la finale de football avec Salif Ouattara. Nous repartons à Daloa. Après le coup d'envoi spectaculaire donné par Abdoulaye Traoré, Di Ben Badi et son coéquipier de 1992, Mohamed Ben Salah, la finale opposant le premier bataillon du génie de Bouaké au centre de formation Ben Kadi Football Club de Daloa débute dans une ambiance surchauffée. Seulement 5 minutes de jeu, les bleus jaunes de FC Ben Kadi assiègent le camp des Black Warriors de Bouaké. Souleymane Cissé, surnommé Baki, profite à la 9e minute d'une belle passe pour ouvrir le score. 1-0 pour les bleus jaunes. 36e minute, Baki dribble encore et fait la passe parfaite à son coéquipier Samassi Bakari qui termine le beau travail technique en marquant un deuxième but. Les Black Warriors de Bouaké ripostent fébrilement en manquant plusieurs occasions de but devant un public majoritairement militaire. À la mi-temps,
les champions d'un jour deviennent les consultants des circonstances. Il y a eu à avoir une très bonne première mi-temps, parce que je crois que en face des militaires, on a vu une équipe civile quand même qui a l'habitude de jouer ensemble. Donc il y avait des combinaisons quand même qui démontraient leur supériorité. Donc déjà, moi, ce qui m'impressionne plus, c'est l'esprit fair play qui prévaut sur la rencontre. En seconde période, les sociétaires du FC Benkadi doublent la pression. 49e minute, Baki fait parler son talent. Il veut dribbler tous les défenseurs du premier bataillon de Boaké, mais le numéro 3, Camille Yao des Black Warriors, s'y oppose et prend un carton rouge. Les militaires de Boaké jouent désormais à 10, cela n'entame rien la détermination de leur capitaine, le lieutenant Sagou, qui fait à la 67e minute un débordement à droite et réussit à tromper le portier de Benkadi en marquant un but. La pression s'installe désormais dans le camp des sociétaires de Benkadi. Les Black Warriors de Boaké intensifient les tirs et finissent par occasionner un carton rouge dans le camp adverse. Les Bleus jaunes de Dalois résistent aux assauts des Black Warriors de Boaké et gagnent la finale de football de la 15e édition de la Sainte-Maurice. En tout cas, belle finale. Lieutenant, il y a des mots de remerciement. Oui, bien sûr. Mais nous tenons à remercier... D'abord, le général de corps d'armée, hein, chef d'état-major général des FRCI, le général de brigade commandant les forces terrestres et tous les chefs de corps qui ont permis que leurs éléments puissent participer à cette fête patronale-là. Ils sont venus de partout, d'horizons divers, de Boaké, de Korogo, d'Abidjan et partout. Donc je tiens à remercier ces chefs militaires-là. Je tiens aussi à remercier les autorités civiles, politiques, religieuses qui n'ont pas manqué de nous soutenir, d'être présents avec nous tout le long de cette fête-là. Voilà. Je remercie aussi toutes les entreprises qui nous ont soutenus par des gadgets, par des coupes. Je remercie particulièrement le maire de Dalois qui vraiment nous a soutenus, voilà, qui nous a soutenus pendant cette fête-là. Azasuku, il a eu du volleyball. Oui, et pour symboliser cette intégration armée-nation, la finale de volleyball a opposé Antilope Volleyball Club de Dalois, qui est une équipe civile, à l'école de gendarmerie. Mais bon, les gendarmes n'ont pas pesé lourd face aux Antilopes. Opposant l'école de gendarmerie de Torogu en rouge à l'Antilope Volleyball Club de Dalois en bleu, le match de volleyball s'est joué en 3-7. Sport collectif aimé par les militaires, le match commence par une large domination des Blues de l'AVBC de Dalois. Après 15 minutes de jeu, les élèves gendarmes de Torogu ont les mains qui glissent, ce qui donne des arguments aux joueurs de l'AVBC pour déployer un jeu de passe et de smash parfait. En 3-7 sur les 5 prévus, le libéro des Blues de l'AVBC, Zachary et ses coéquipiers, attaquent avec une puissance exceptionnelle leur adversaire du jour et font au premier set 25 points à 19. Au deuxième set, 25 points à 18 et au troisième set, 25 points à 22. Sincèrement dit, j'en suis très fier parce que ça fait notre deuxième fois de participer puis nous prenons cette coupe. J'en suis vraiment fier. Chaque année, c'est une tradition maintenant, on participe à ces tournois-là et c'est notre deuxième victoire successive. Sinon, on a l'habitude de prendre ça. Ils repartent victorieux pour cette 15e édition de la fête de la Sainte-Maurice au grand détriment des élèves gendarmes qui espéraient remporter le précieux sésame. Alors, Ayasukru, c'est une compétition de volley qui s'est jouée aussi sur un stade particulier. Sur un stade particulier, oui, sur le stade de l'école de gendarmerie de... Alors, il va falloir revoir un peu le stade de volleyball. Hein. Oui. Pas de problème. On va le revoir. Ah, là, on le revoit. Oui. Alors, Ayasuku, c'est quand même, il y a eu quand même du rythme hein, dans ce match. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est clair que l'école de gendarmerie n'a pas pu résister à la furia des joueurs de l'AVBC, des Antilopes, qui ont l'habitude, hein, ils ont pour eux l'habitude de pratiquer ce sport tous les jours. Les élèves gendarmes s'y sont essayés. C'est déjà bon d'avoir pu se retrouver en finale contre l'AVBC. C'est sûr que les années prochaines, je pense que les élèves gendarmes vont donner plus de répliques à l'équipe de l'AVBC. Je pense que les
joueurs de l'AVBC même le savent. Moi, je fais confiance, Sébastien, aux autorités militaires pour que l'année prochaine, je crois que le stade de Voyou... Ça va changer. Ça, ça va changer, ça c'est clair. Il y a eu aussi une compétition de Maracana, oui. Une finale. Oui, il y a eu une finale. Ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça s'est bien passé. C'est le premier bataillon d'infanterie qui a remporté la finale devant le génie militaire. Vous étiez dans quelle équipe? Oh. À l'organisation. J'étais superviseur, voilà, comme on peut le dire. Si j'étais sur place, il y avait un match de gala entre les officiers et les sous-officiers. Bon, j'aurais pu participer, mais j'étais en ce moment en déplacement, donc je n'ai pas pu. Il y a un autre message à l'endroit de certaines personnes que vous avez peut-être... Bien, je pense que j'ai cité déjà presque toutes les autorités militaires et civiles. Je veux dire merci surtout à la population civile d'avoir accepté de participer à cette compétition sportive et aussi à la RTI qui a couvert cette manifestation. Je dirais que je dis bon vent tout le monde et que la fête soit encore plus belle l'année prochaine pour la 16e édition. Voilà. Il y a des acquis qu'il va falloir préserver. Oui, bien sûr. Parce que là, il y a eu le contact, donc il faut continuer dans ce sens. Bien sûr, bien sûr. À l'image de Saint-Maurice que vous décriviez tout à l'heure. Oui. Voilà. D'accord. Vulgariser la pratique du tir à l'arc en Côte d'Ivoire, telle est l'ambition du comité directeur dirigé par Essis Moïse. Mi-carême, dans cette visée, la dite fédération a décidé donc de faire jouer la 3e journée du championnat national de la cité des Antilopes. Et c'est l'espace pétanque du quartier commerce qui a été le théâtre de cette journée. Sur la ligne de tir, les différents archers ont rivalisé d'adresse à la grande joie du public sportif. Les clubs de Daloa, malgré leur grand enthousiasme, n'ont pu supplanter les équipes d'Abidjan, habituées aux grandes compétitions. En arc olympique, Essis Akwa Bethel Samuel Aza a confirmé son statut de champion de la 2e journée. Il a défait Teki Anderson du plateau.